Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour parler aujourd'hui d'un petit bijou vidéoludique dont vous me direz des nouvelles. Bon, vous savez déjà duquel on va parler, étant donné que vous avez lu le titre de la vidéo en question. Il s'agit de The Legend of Zelda Link's Awakening. Alors le sujet avait déjà été abordé il y a quelques années à l'époque sur la chaîne par Greg et Axel à l'occasion de la sortie de la version Switch, puisque oui, vous n'ignorez pas qu'il y a eu un remake sorti sur Switch de ce Link's Awakening. Alors ils avaient un petit peu parlé également de la version d'origine et de la version DX, mais surtout beaucoup de la version Switch évidemment, qui était le centre de la vidéo. Donc dans cette vidéo là, on va pas du tout parler de la version Switch pour une raison très simple, c'est que j'ai pas de Switch et que j'ai encore moins le jeu associé. Donc dans cette vidéo, on va principalement aborder la version d'origine qui est sortie en 93 sur Game Boy et la version DX qui est sortie en 98 sur Game Boy Color, en insistant bien évidemment principalement sur les différences entre ces deux versions là pour la seconde partie de la vidéo. Alors ce jeu là, il fallait absolument que je vous en parle, puisque c'est un jeu qui m'a énormément marqué, et pour cause, ça a été mon tout premier Zelda, et c'est d'ailleurs resté mon seul Zelda pendant très longtemps, hein, puisque le suivant que j'ai fait, eh bien c'était sur Nintendo 64, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, un truc qui s'appelle Ocarina of Time, c'est ça? Donc pendant longtemps, eh bien mon seul contact avec l'univers de Zelda, c'était Link's Awakening, et quel contact! Bon, ça, on va pas tout de suite se lancer dans les louanges que je vais tresser au jeu pendant toute la vidéo, mais vous allez voir. Alors même si c'est un jeu sur lequel j'avais passé beaucoup de temps, à l'époque j'avais pas réussi à le finir, je l'avais trouvé extrêmement dur. Il faut savoir que j'avais uniquement une Game Boy, hein, à cette époque-là. Et la Game Boy, eh bien sa ludothèque, elle était plutôt axée sur des jeux qui offraient des parties courtes, je pense notamment aux jeux de plateforme, aux jeux de réflexion type Tetris, ce genre de choses, des puzzle games. Et c'est vrai que se retrouver dans un jeu d'aventure où on devait explorer un monde, où on devait résoudre des énigmes, terminer des donjons, eh ben c'était un petit peu déroutant pour moi, et à l'époque, non, j'avais pas réussi à le finir, hein, il a fallu que j'attende de plusieurs années avant de pouvoir enfin voir le dénouement de cette fantastique aventure. Donc vous aurez compris que c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué et dont il fallait forcément que je vous parle, mais c'est aussi un jeu qui est intéressant au sens qu'il a beaucoup marqué le monde du jeu vidéo et également la saga Zelda dans son ensemble, en apportant beaucoup d'innovations qu'on retrouverait dans d'autres épisodes par la suite. Et surtout, en étant le premier Zelda à se jouer sur une console portable, si on excepte évidemment le Game & Watch qui était sorti bien avant, mais bon, là, au niveau de l'expérience, c'est pas du tout comparable à ce qu'offrait ce Link's Awakening sur Game Boy. Allez, trêve de blabla, on attaque tout de suite et on embarque pour la mystérieuse île de Cocolint. On commence par le commencement. Imaginez-vous revenir en 93, insérer pour la toute première fois cette petite cartouche dans votre console et tomber sur cette introduction d'une beauté à laquelle la vénérable portable de Nintendo nous avait clairement pas habitués. Pour ma part, c'est cette intro qui m'a directement happé étant gamin, me plongeant dans l'aventure sans aucun espoir d'en sortir avant son terme. À l'époque, on était moins informés, voire même pas du tout informés, sur le lien entre les différents épisodes de la saga Zelda, et Link's Awakening pouvait apparaître comme un épisode hors série tant il se distinguait des autres jeux retraçant les aventures de Link. Toutefois, la sortie en 2011 du livre Hyrule Historia est venue mettre un terme aux supputations en traçant des liens entre toutes les aventures de Link, et en plaçant du coup Link's Awakening juste après le duo Oracle of Ages et Oracle of Seasons. Après avoir restauré la paix en battant Ganon suite à sa résurrection, Link avait embarqué sur un navire pour parcourir le monde et acquérir des connaissances qui lui permettraient d'être mieux armé pour faire face à la prochaine menace. Malheureusement, sur le chemin du retour vers les terres d'Hyrule, il fut pris dans une violente tempête et son embarcation sombra corps et biens. Notre héros fut recueilli par Marine, habitante de l'île Cocolint, située à proximité du lieu du naufrage et sur laquelle il s'était échoué. Bientôt, il réalisa que son arrivée coïncidait avec l'apparition de terribles monstres en cet endroit d'ordinaire paisible. Après avoir récupéré son bouclier et son épée, notre ami ne tarda pas à apprendre que la seule chance pour lui de quitter l'île passait par le réveil du poisson rêve, une curieuse créature dormant dans un œuf au sommet de la montagne. Pour ce faire, il lui fallait collecter 8 instruments de musique éparpillés dans autant de donjons de cette mystérieuse contrée. Bon alors là, avant d'aller plus loin, je me sens obligé de vous parler de la fin du jeu. Donc forcément, ça va spoiler sévère. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait le jeu et qui souhaitent se garder le plaisir de la découverte pour ce dénouement, et croyez-moi quand je vous dis qu'il en vaut la peine, je vous laisse quelques secondes pour zapper pour vous rendre au timecode indiqué. Here we go! En fin d'aventure, vous appreniez que l'île de Cocolint n'existait pas réellement et n'était qu'une production du Poisson Rêve. En d'autres termes, réveiller ce dernier était synonyme de faire disparaître tout ce monde que vous arpentiez depuis des heures, ses monstres, ses paysages, mais aussi ses habitants et même l'attachante Marine qui pourtant rêvait de découvrir Hyrule en compagnie de Link.
Mais attention, cette vérité ne vous était pas assénée brutalement comme le « je suis ton père » de Dark Vador. Petit à petit, vous glaniez des informations qui vous mettaient sur la voie, au détour d'une conversation avec un PNJ, ou encore via une phrase lâchée par un boss vaincu. Peu à peu, la vérité devenait évidente, mais votre cerveau peinait à l'accepter et vous continuiez à vous dire « Bof, c'est un ennemi, il a dû me mentir », en essayant de vous convaincre que vous pourriez avoir droit à une happy end. Un espoir qui était définitivement annihilé dans les dernières secondes du jeu, comme vous vous y attendiez au fond de vous sans réellement pouvoir l'accepter. Et quand finalement vous parveniez à réveiller le poisson rêve et à quitter Cocolint pour rejoindre Hyrule, je sais pas, il y avait un curieux sentiment qui se produisait en vous. Cette sensation mêlant la fierté d'avoir terminé le jeu pour profiter de la splendide séquence de fin et la mélancolie d'obtenir un dénouement pas si heureux que ça avec la disparition de l'île par votre faute. Les jeux qui parviennent à provoquer un tel malaise quand on les termine sont finalement plutôt rares et personnellement, il n'y a qu'en terminant Shadow of the Colossus par la suite que j'ai à nouveau ressenti ça. Yup, fin du spoil. Donc maintenant qu'on a abordé l'histoire in-game, on va s'attarder un petit peu sur l'histoire du jeu en lui-même et vous allez vous rendre compte que la genèse du projet est plutôt assez atypique. Tout commença avec Kazuaki Morita, un programmeur qui travaillait pour Nintendo Entertainment Analysis and Development, qui se lança dans un projet visant à développer un Zelda-like à destination de la Game Boy pour se familiariser au kit de développement de la console. Petit à petit, il fut rejoint par d'autres employés de la division et tous commencèrent à travailler sur le projet en dehors de leurs heures de travail. En 1991 débarqua A Link to the Past sur Super Famicom, qui connut un énorme succès. Suite à cette réussite, Takashi Tezuka, qui était à la tête du projet, souhaita s'attaquer à un Zelda à destination de la Game Boy. Si l'idée de départ était de concevoir une adaptation de A Link to the Past, justement, il fut finalement décidé de produire un jeu original qui deviendrait par la suite Link's Awakening et réutiliserait le travail déjà réalisé par Kazuaki Morita et ses collègues. L'équipe ne tarda pas à se renforcer avec l'arrivée du duo Yoshiaki Koizumi et Kensuke Tanabe pour écrire le scénario, deux personnages importants puisqu'ils remplissaient déjà ce rôle sur A Link to the Past. C'est au premier cité qu'on doit la trame scénaristique générale avec l'idée de faire se dérouler toute l'intrigue dans un rêve, tandis que le second reçut de la part de Tezuka l'instruction de retirer les éléments habituels de la saga comme la Triforce, Hyrule, Ganon et même la princesse Zelda, le poussant ainsi à proposer l'idée d'une île avec un œuf au sommet d'une montagne où se déroulerait le dernier acte de l'aventure en guise de terrain de jeu. Tezuka avait enfin comme idée de s'inspirer de la série de David Lynch Twin Peaks, très populaire aux États-Unis dans les années 90, dont Link's Awakening hérita le début de son intrigue se déroulant dans une petite ville, en l'occurrence plutôt un village, avec des personnages étranges et énigmatiques. De cette gestation assez atypique pour un jeu de la saga, est né un épisode qui se distinguait énormément des autres titres estampillés Zelda et venait déstabiliser les fans de la première heure. De très nombreux poncifs habituels étaient en effet aux abonnés absents, comme je viens de le mentionner. Et pourtant, en dépit de ces différences tangibles, on retrouvait tout ce qui composait habituellement l'univers si particulier des jeux plus classiques de la saga. Outre Marine, facilement assimilable à Zelda par son rôle de soutien passif, chaque protagoniste rencontré au fil de l'aventure, de Pepe le Ramolo à Ali Gobanan en passant par Tarkin, a rien à voir avec l'autre au passage, était doté de ce côté délicieusement décalé, octroyant au soft une ambiance unique et surtout un humour omniprésent qui ne remettait pourtant jamais en cause le caractère épique de la quête du joueur. Mais ce côté à part permit aussi aux développeurs de se faire plaisir au niveau des références à d'autres jeux vidéo, et au fil des heures, on se rendait compte que la saga Zelda n'était pas la seule concernée puisque l'équipe piocha allègrement dans le catalogue de Nintendo pour nous offrir de savoureux anachronismes. On pouvait par exemple gagner une figurine de Yoshi, un jeu de hasard, ou bien affronter des monstres comme les Goombas, plantes piranhas et autres mascasses fraîchement débarquées de l'univers de Mario. De même, on était amené à mettre la main sur une photo de la princesse Peach, ou même d'en découdre avec une étrange boule aspirante ressemblant furieusement à Kirby, tant dans son design que dans son schéma d'attaque. Ici, c'est bien la carte de l'originalité qui fut jouée à fond par les créateurs du soft en plongeant le joueur dans une aventure onirique assez éloignée des sombres affrontements opposant habituellement Link à Ganon. L'univers ainsi obtenu, loin d'être aseptisé et sans intérêt, s'avérait d'une richesse énorme pour celui qui prenait la peine d'être suffisamment attentif pour en saisir tous les détails. Et c'était donc avec un grand plaisir qu'on parcourait les plaines et forêts de Cocolint. Et autant mettre tout de suite un terme au suspense.
inutile de s'essayer à Link's Awakening sans être prêt à passer de longues heures à froncer les sourcils sur le petit écran monochrome de la Game Boy. Cette nouvelle aventure de notre ami Ilien s'inscrivait dans la plus pure lignée des épisodes précédents en offrant une quête principale susceptible de nous occuper longtemps. On pourrait identifier plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, la taille de la carte. On rappelle que celle du premier Zelda sorti sur NES mesurait 16 écrans sur 8, soit un total, on sort la calculette, de 128 tableaux à parcourir. Dans Link's Awakening, c'était carrément le double, soit 16 écrans sur 16, donc 256 en tout. Cette vaste zone de jeu était en prime d'une richesse fantastique et proposait une multitude de choses à faire et de secrets à découvrir qui venaient rompre la monotonie induite par l'enchaînement des donjons. On reviendra sur les quêtes secondaires un peu plus tard, mais sachez que l'exploration et l'audace étaient systématiquement récompensées. Vous aviez ainsi tout à gagner à placer une bombe à proximité d'une paroi fissurée, à creuser en utilisant votre pelle, à couper un buisson semblant curieusement seul, ou encore à détruire une statue qui pouvait cacher un escalier sous son socle. Chacune de ces actions pouvait au pire vous offrir un précieux item, et au mieux vous ouvrir un passage secret vous menant à un lieu caché. Par ailleurs, les vastes espaces de Cocoline te regorgeaient de quêtes secondaires, vous proposant par exemple de pêcher, ou encore de glaner des objets à troquer contre d'autres pour récupérer de précieux atouts. Une tâche qui insistait largement sur le côté aventure du jeu, mais qui s'accompagnait d'autres plus basées sur l'action pour une variété extrêmement conséquente. Bref, tout ça ne sont que quelques exemples des innombrables petits plaisirs offerts par le soft aux joueurs curieux et avides de découvertes. Mais attention, s'orienter sur Cocolint n'était pas pour autant quelque chose de simple. Bien moins simple par exemple que dans un Ocarina of Time où on était finalement assez libre de ses déplacements tant qu'on restait dans la vaste zone ouverte qu'il offrait. Pour s'orienter, il était vivement recommandé d'avoir recours à la carte globale accessible à tout moment par un simple appui sur la touche Select et qui nous indiquait en permanence la position de Link, tout en prêtant attention aux très nombreuses pancartes positionnées dans toute l'île qui se montraient d'une aide précieuse pour atteindre sa destination. En effet, dans Link's Awakening, aller d'un point A vers un point B pouvait être bien plus difficile avec un level design en extérieur qui faisait la part belle aux embûches de toutes sortes et demandait forcément un peu d'entraînement pour optimiser les déplacements. La zone accessible en début de partie se montrait vite assez restreinte, mais s'agrandissait petit à petit au fil des pièces d'équipement récupérées dans les donjons qui nous permettaient d'ouvrir de nouveaux passages et même quelques téléporteurs pour nous faciliter la vie. En guise d'obstacle, on retrouvait ainsi fréquemment des trous et autres rochers, deux blocages qui n'avaient plus lieu d'être une fois mis la main sur la plume de roc octroyant la capacité de sauter, et le bracelet de force permettant de soulever de lourdes charges. On précise d'ailleurs que le premier item cité pouvait être utilisé en combinaison avec les bottes de Pégase, un équipement déclenchant un sprint de Link, pour franchir des gouffres encore plus étendus en prenant de l'élan avant de déclencher le saut. Bref, vous l'aurez compris, chaque item collecté avait son utilité, que ce soit pour découvrir de nouvelles régions sur la carte, ou bien pour explorer les 8 donjons contenant chacun l'un des instruments de musique nécessaires pour réveiller le poisson rêve. Eh oui, que serait un Zelda sans ces donjons offrant autant d'action que de réflexion ? Rassurez-vous, Link's Awakening remplissait avec un certain talent son contrat à ce niveau en offrant aux joueurs des défis à la hauteur de ce qu'ils pouvaient trouver sur les consoles de salon de l'époque. Chaque donjon se montrait ainsi à la fois classique et original. Classique, car tous ces lieux suivaient la même logique de progression. Le joueur devait ainsi, tour à tour, collecter la boussole afin de localiser le boss et divers objets, la carte lui permettant de se repérer en se traçant au fur et à mesure de sa progression, et le fragment de marbre qui procurait de précieux indices afin de faciliter, justement, cette progression. Chaque donjon contenait un certain nombre de portes fermées qu'il nous fallait ouvrir avec des clés collectées, soit en battant tous les ennemis d'une salle, soit en ouvrant certains coffres. Enfin, la porte menant à la salle du boss était quant à elle obstruée par une serrure que les clés classiques ne pouvaient en aucun cas ouvrir, et il fallait donc trouver une clé spéciale dissimulée dans le donjon pour gagner le droit d'affronter son gardien. Une fois ce dernier battu, Link gagnait l'instrument en sa possession, ainsi qu'un cœur de santé supplémentaire. Mais bon, ça on va y revenir un peu plus loin. Si on retrouvait donc une structure commune à tous ces donjons, chacun d'entre eux était pourtant unique par les innombrables énigmes qu'il proposait afin d'entraver la progression du joueur. Une bonne logique, accompagnée d'une exploration méticuleuse, était donc nécessaire pour pas rester bloqué des heures, tant et si bien qu'il était pas rare qu'on tourne en rond en étant incapable de trouver la solution pour atteindre le boss. Et puis, à tête reposée, on parvenait à remarquer un détail qui nous avait échappé jusqu'ici, détail qui débloquait ensuite toute la progression au sein du donjon. Si ces lieux se montraient exigeants et difficiles à boucler, ils offraient
offrait en effet toujours un cheminement logique basé sur de nombreux allers-retours et une observation très attentive des lieux. Mais attention, l'action n'était jamais loin pour autant. Eh oui, le bestiaire n'était pas très enclin à vous laisser déambuler en toute tranquillité à la recherche de la solution à une énigme. En permanence, il fallait rester attentif pour être prêt à riposter en cas d'attaque surprise. En effet, les ennemis n'étaient pas toujours placés en évidence et sortaient parfois de nulle part pour venir entamer votre santé. S'il fallait retenir un seul et unique conseil dans ces donjons, ce serait de ne jamais se penser à l'abri en rentrant dans une salle. En outre, si la plupart des adversaires rencontrés en début d'aventure pouvaient être battus facilement d'un simple coup d'épée, on tardait pas à croiser des saloperies bien plus chiantes à abattre au fil de l'aventure. On pourrait par exemple citer ceux équipés de boucliers ou de casques rendant vaine toute approche frontale, ces cochonneries de bestioles planquées sous des buissons ou des cailloux, ou encore des saletés de zombies revenant indéfiniment vous attaquer jusqu'à ce que vous quittiez l'écran. Alors ceux-là, ils étaient carrément pratiques pour farmer, mais plutôt dangereux dans la pratique, et il fallait vraiment faire très très attention de ne pas vous faire avoir à l'usure. Parfois, il fallait aussi ruser en balançant par exemple une bombe pour déloger un ennemi trop rapide pour être attaqué au corps à corps, ou bien en parant la première offensive au bouclier pour ensuite contre-attaquer à l'épée. Ce constat s'appliquait d'ailleurs aussi et même surtout au boss qui devait être affronté d'une manière bien spécifique pour être battu. Foncer tête baissée et l'épée en avant constituait rarement la bonne approche et il était vivement recommandé de passer les deux premières minutes du combat à observer les attaques de l'adversaire pour apprendre à les parer et surtout repérer le point faible qu'il finissait toujours par vous montrer de manière plus ou moins subtile. Là encore, la variété était plus qu'appréciable dans un jeu qui poussait le concept jusqu'à vous faire affronter un poisson sous l'eau en vue de côté. Bon, pas le combat le plus technique puisqu'il suffisait de lui taper dessus comme un sourd jusqu'à ce que mort s'en suive, mais une nouvelle preuve de cette volonté qu'avaient les développeurs de constamment renouveler les défis qui nous étaient opposés. Bon voilà, je pense qu'arrivé à ce stade de la vidéo, vous aurez compris que non seulement Link's Awakening proposait une quête principale garante à elle seule d'une durée de vie énorme, mais que les activités annexes étaient susceptibles d'ajouter quelques longues heures supplémentaires à cette longévité. Un bon moyen de rentabiliser l'argent investi sur la cartouche pour le joueur avide de découvrir tous les secrets de Cocolint, sans que la moindre sensation de lassitude ne vienne ternir l'expérience. Et la meilleure arme pour éviter la lassitude, justement, ça a toujours été de proposer un gameplay de qualité. Sur ce plan, Nintendo a encore une fois réalisé un travail fantastique pour s'adapter à cette nouvelle plateforme sans pour autant devoir faire des concessions trop handicapantes par rapport aux épisodes destinés aux consoles de salon. Le joueur contrôlait donc Link dans une vue du dessus en utilisant la croix directionnelle. Chacune des deux touches d'action pouvait être attribuée à un item préalablement choisi par le joueur dans le menu. Celui-ci se divisait en trois parties distinctes. En haut, on avait les informations usuelles affichées en permanence à l'écran et indiquant les deux objets équipés ainsi que le niveau de santé du personnage. La partie droite contenait quant à elle des informations contextuelles comme la carte du donjon si vous vous trouviez dans l'un d'entre eux ou le nombre d'instruments collectés dans le cas contraire. C'est aussi dans cette même section que vous retrouviez les différents items non équipables en votre possession comme les palmes dont on va parler un peu plus tard ou les coquillages à collecter pour choper une arme plus puissante. Enfin, la partie gauche affichait l'ensemble des objets attribuables aux deux touches d'action. Pour en équiper un, rien de plus simple puisqu'il suffisait de placer le curseur sur l'élément choisi et de presser la touche à laquelle vous souhaitiez le voir associé. À l'usage, ce système d'équipement s'avérait particulièrement intuitif et rapide à utiliser. Une très bonne chose puisque switcher entre les différents équipements était une opération qu'on réalisait de très très nombreuses fois durant l'aventure. Et oui, le faible nombre de boutons de la console contrastait beaucoup avec le nombre d'actions faramineux que vous aviez à accomplir, notamment à l'intérieur des donjons. Concernant les objets présents dans l'inventaire, le fan de Zelda retrouvait tous les artefacts ayant contribué à créer une identité forte pour la franchise. On retrouvait bien entendu en tout premier lieu l'épée, utilisable en donnant un simple coup ou en chargeant ce dernier pour déclencher une attaque circulaire à 360 degrés. S'y ajoutaient le bouclier, le boomerang, les bombes, l'arc, le grappin, le bracelet de force, etc, etc, etc. La liste est bien évidemment pas exhaustive, mais donne quand même une bonne idée de la richesse proposée par le jeu sur ce plan. Mieux encore, certains équipements pouvaient être upgradés pour réaliser des exploits toujours plus surhumains. Ainsi, l'épée de niveau 2 permettait des attaques à distance quand la réserve de cœur était à son maximum, comme dans le premier Zelda en somme, le bracelet de force amélioré rendait possible l'exploit de soulever des charges encore plus lourdes, et le bouclier reflet était en mesure de détourner de redoutables projectiles comme des flammes ou autres rayons qui auraient été fatales à Link autrement. On notera enfin que les palmes, pourtant indispensables pour nager en eau profonde, ne nécessitaient pas d'être
rééquipées une fois récupérées puisqu'elles étaient actives en permanence sur le personnage. Un choix plutôt pertinent finalement, hein, qui réduisait les allers-retours dans le menu. Il me paraît d'ailleurs impossible de pas insister sur une pièce d'équipement ô combien emblématique, à savoir l'ocarina. Une fois cet instrument de musique récupéré dans un coffre au fin fond d'une caverne, vous étiez en mesure d'apprendre différentes mélodies qui pouvaient vous être d'une aide précieuse, par exemple en vous faisant gagner un temps conséquent dans vos déplacements grâce à la téléportation. Pour acquérir tous ces équipements, il était parfois nécessaire de réaliser des quêtes annexes ou de farmer un très grand nombre de rubis dans le but de rassembler un pécule suffisant pour acheter ce dont vous aviez besoin chez le marchand. Sauf si vous préfériez le voler, mais bon, dans ce cas-là, attendez-vous à vous faire traiter de voyou par tous les habitants de l'île. Ah oui, et puis évitez de retourner chez le marchand par la suite sous peine de vous faire atomiser immédiatement par ce dernier. La plupart des équipements obligatoires étaient directement trouvables dans les donjons, au sein desquels ils étaient d'ailleurs directement mis à contribution pour progresser, voire même pour vaincre le boss des lieux. Mais les objets facultatifs pouvaient bien souvent être d'une aide précieuse, à l'image du boomerang qui devait se mériter mais faciliter grandement la vie du joueur une fois acquis, notamment dans le dernier donjon. Enfin, on précise qu'à tous ces objets qu'on pourrait qualifier de permanents, s'ajoutaient deux bonus temporaires lâchés par certains ennemis et pouvant selon les cas booster la puissance d'attaque ou la résistance de Link de manière assez significative. J'abordais il y a quelques minutes la question de la vie de manière un peu succincte. Pour développer ce sujet très important dans un jeu vidéo, sachez que votre santé était représentée par un certain nombre de cœurs affichés en bas à droite de l'écran. Si vous n'en possédiez que 3 en début d'aventure, Link en gagnait un supplémentaire à chaque boss vaincu, et vous pouviez même augmenter encore un petit peu plus ce total en collectant les 12 fragments de cœur dissimulés un peu partout sur la carte de Cocolint, sachant que 4 fragments vous octroyaient un cœur supplémentaire. La plupart des ennemis amputaient votre réserve d'un demi-cœur en vous portant un coup. Alors ça peut paraître peu, mais dans des donjons où les rencontres avec des adversaires coriaces se multipliaient, il était facile de se retrouver en très très mauvaise posture avec en prime une alarme sonore stridente pour vous avertir que votre réserve était au plus bas. Fort heureusement, quelques aides vous permettaient de rallonger un peu la vie de notre héros. D'une part, certains ennemis avaient la courtoisie de laisser derrière eux de quoi vous soigner une fois vaincu. D'autre part, vous pouviez acheter une potion à un PNJ qui s'activait automatiquement une fois votre vie à zéro pour vous redonner l'intégralité de votre santé. Une potion toutefois stockable en un seul exemplaire dans l'inventaire et nécessitant de refaire tout le chemin jusqu'à la cabane de votre fournisseur pour être renouvelée. Pour finir sur le gameplay, sachez que le joueur était amené à explorer certains lieux dans des séquences en vue de côté avec une composante plateforme. C'était d'ailleurs lors de ces phases de jeu qu'il pouvait rencontrer des Goombas et même leur sauter sur la tête pour les vaincre tout en évitant les Chomps eux aussi de la partie. Un clin d'œil supplémentaire à Super Mario Bros, d'autant que ces phases de jeu étaient visuellement très proches des aventures du plombier moustachu jusqu'au bruitage de saut strictement identique. Une bonne manière non seulement d'offrir un joli easter egg, mais aussi de varier les plaisirs dans un gameplay déjà particulièrement riche. Et cette richesse ne se limitait pas au domaine de la maniabilité, puisqu'il n'est à mon sens pas excessif de prétendre que Link's Awakening était l'un des jeux les plus aboutis techniquement de toute la ludothèque Game Boy à l'époque de sa sortie. Le ton était donné dès la magnifique séquence introductive, nous imposant l'idée qu'on était face à un jeu hors du commun. Une impression qui était largement confirmée par la suite. Chaque région fut représentée avec soin et disposait de sa propre identité, tant visuelle que sonore. Les graphistes de Nintendo sont réellement parvenus à faire passer une ambiance particulière pour chaque lieu, et ce malgré les flagrantes limitations du support. Un renouvellement constant d'autant plus louable compte tenu de la taille gigantesque de la carte, prouvant que les développeurs avaient à cœur de se rapprocher le plus possible des productions commercialisées sur les consoles de salon de l'époque. La variété des décors était pas pour autant leur seul point fort, puisque le joueur un peu attentif pouvait noter une foule de détails et de petites animations partout autour de lui, que ce soit les papillons voltant autour de Link, les feuilles s'envolant en découpant un buisson, les débris éparpillés d'un rocher détruit, les fleurs bougeant au gré du vent, ou tout simplement l'herbe ne restant jamais statique quand quelqu'un se déplaçait sur elle. Autant de petits détails qui venaient insuffler ce sentiment de vie qui, de tout temps, fut la marque des grands jeux. Et le bestiaire était pas en reste question variété, opposant constamment au joueur de nouvelles têtes tout au long de son aventure et l'obligeant toujours à s'adapter pour survivre. Et comment ne pas aborder la question des boss? Ces messieurs de chez Nintendo réalisèrent l'exploit de leur octroyer un aspect véritablement impressionnant pour le joueur qui ne pouvait qu'à grande peine réprimer un frémissement de plaisir en découvrant un patron de donjon
maison dotée d'un sprite faisant au bas mot 5 fois la taille de Link. De nos jours, une telle chose est commune sur les consoles de salon, mais voir une telle chose sur Game Boy en 93 était autrement plus inhabituel. La comparaison avec le premier Zelda sur NES, d'ailleurs, est clairement à l'avantage de Link's Awakening, qui pourrait presque s'approcher de A Link to the Past visuellement parlant. Un exploit impressionnant pour un jeu Game Boy. Si l'aspect visuel constituait donc l'un des gros atouts du titre, la bande-son était pas pour autant en reste et tout, absolument tout s'avérait réussi sur le plan acoustique. Chaque action réalisée par le joueur avait droit à son propre bruitage et on se surprenait même parfois à taper sur n'importe quoi pour le simple plaisir de découvrir la sonorité associée. La musique apportait bien entendu largement sa pierre à l'édifice et offrir des thèmes aussi magnifiques sans que ces derniers ne virent à la bouillie de bip comme c'était parfois le cas sur Game Boy constituait un exploit plus que louable. Tantôt inquiétant, tantôt joviaux et parfois solennel, les différents morceaux s'adaptaient parfaitement au lieu visité et contribuaient indéniablement à créer une ambiance spécifique pour chacun d'entre eux. Mieux encore, les développeurs allèrent même jusqu'à composer un morceau différent pour chaque donjon exploré. Alors attention quand même, ça restait des morceaux très courts pour des raisons évidentes de capacité de stockage sur la cartouche. Mais le tout était tellement mélodieux que c'était jamais dérangeant d'entendre les sonorités se répéter. En un mot commençant, avec Link's Awakening, on était en présence d'une véritable bande-son Zelda, et non d'une copie au rabais massacrée pour être utilisable sur une console portable. Qui aurait pu croire qu'un simple le buzzer pouvait provoquer un tel enchantement auditif chez l'être humain. Pour la première apparition de sa saga culte sur une console portable, Nintendo avait vraiment frappé un grand coup, un énorme coup en nous offrant une aventure d'une qualité incroyable qui repoussait littéralement les limites de la Game Boy au-delà de l'imaginable. Dans la technique, dans le gameplay, dans la durée de vie, dans la bande-son, tout était vraiment mêlé pour nous offrir un jeu vraiment d'anthologie qui réussissait l'exploit de provoquer un gros dépaysement chez les fans en supprimant des éléments comme Ganon, Triforce, Hyrule, etc., etc., mais tout en restant dans la grande tradition de la série. Et de tout ça, il a résulté très certainement l'un des meilleurs jeux de toute la ludothèque de la Game Boy et l'un des meilleurs jeux d'aventure de l'époque, toute console confondue hein, d'ailleurs. Et ce sentiment, il était largement partagé par la presse de l'époque, donc comme d'habitude, je vous ai concocté une petite revue de presse pour vous montrer un peu un aperçu des articles qui traitaient du jeu quand il est sorti. Et pour l'occasion, je vous ai invoqué la triforce des magazines des années 90, à savoir Console Plus, Joypad et Player One. Et on commence tout de suite par le premier, Console Plus. Ce dernier consacra 2 pages au jeu dans son numéro 25 de novembre 93, où l'enthousiasme était le sentiment qui prévalait pour un article qui offrait tout simplement à Link's Awakening le titre de meilleur jeu jamais sorti sur Game Boy. Résultat, une note de 95% et un avis dithyrambique de Sam qu'il qualifiait de chef-d'œuvre avec son scénario très bien écrit, son suspense constant et ses énigmes ardues. Le testeur s'interrogeait d'ailleurs sur la manière dont Nintendo avait bien pu réussir à faire rentrer autant de contenu sur une cartouche Game Boy, reprochant seulement une certaine vulgarité dans la traduction française. Même son de cloche chez son collègue Switch qui soulignait l'énorme richesse du jeu et ses grosses qualités techniques, allant même jusqu'à préciser que le titre l'avait convaincu de s'acheter la console. On passe à Joypad qui, quant à lui, nous livra un test sur 3 pages dans son numéro 24 d'octobre 93 avec une note de 96%, encore supérieure à la précédente. Enfin, un test, c'est un peu réducteur, puisque l'une des 3 pages en question contenait carrément une carte de la partie de Cocolint correspondant au début de l'aventure, largement annotée pour nous présenter les lieux importants aux alentours du village des mouettes. Concernant les appréciations, Olivier soulignait la taille de la zone de jeu, en précisant que pour lui, Link's Awakening était le jeu le plus difficile de la série et qu'il avait buté sur beaucoup d'énigmes, notamment dans le second donjon. La phrase de fin de l'article pourrait tout résumer. Je cite, « Tout est bon, beau et prenant, car c'est du Zelda et c'est sur Game Boy. » Trazom, quant à lui, se faisait l'écho de Console Plus en commençant par qualifier le jeu de meilleur jeu de la Game Boy, puis en insistant sur les innovations apportées par rapport à A Link to the Past, comme le saut ou les séquences de nage. Il terminait son petit laïus par se demander comment on pouvait rester insensible face à un tel jeu qui combinait superbe musique, graphisme délirant, action à gogo, surprise à l'appel et durée de vie très longue, en affirmant que cette aventure justifiait à elle seule l'achat de la console. A noter qu'un petit cadre agréable
tel article et comparer Link's Awakening à Mystic Quest, deux jeux sortis sur Game Boy à un mois d'intervalle. L'occasion de placer Zelda un cran au-dessus, tout en reconnaissant néanmoins les qualités de son concurrent. Enfin, détail amusant, le test comportait comme d'habitude dans le Joypad une section point fort et point faible. Manquant d'inspiration pour la seconde partie, le rédacteur s'est contenté de noter cette lignée du remplissage et de passer le bonjour à sa concierge. Et on termine avec Player One. Bon alors eux, c'est pas seulement un test qu'ils ont offert à leurs lecteurs, mais carrément un dossier de 6 pages dans leur numéro 37 de décembre 93. En plus de la classique évaluation placée à 98%, c'était carrément une mini-solus qui nous était offerte en nous présentant en détail le menu, tous les lieux des environs du village des mouettes, et même quelques donjons, plans à l'appui. Yoda, la testeuse, bouclait son article en qualifiant ce qu'elle considérait être le must du jeu d'aventure sur portable d'incontournable et indétrônable. Donc ça vous aura pas échappé, Link's Awakening a été ultra apprécié autant par le public que par la presse spécialisée de l'époque, et son destin ne s'est pas arrêté là, puisqu'en 98, Nintendo s'est lancé dans la commercialisation de sa Game Boy Color et avait besoin tout simplement d'une killer app pour accompagner le lancement et soutenir les ventes de sa nouvelle machine. Et quoi de mieux qu'un Zelda Link's Awakening pour remplir ce rôle? C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Link's Awakening DX, une nouvelle version qui est sortie décembre 98 en même temps que la Game Boy Color, pour intégrer directement sa ludothèque et inciter les gens à sauter le pas et à passer à la couleur. Donc dans cette partie de la vidéo, on va s'attarder sur les différences qui distinguent les deux versions, à savoir la version noir et blanc de 93 et la version couleur de 98, qui ne se résume pas à la couleur, justement, vous allez le voir assez rapidement. Et avant d'aller plus loin, j'en profite pour remercier le site Palais Zelda, donc c'est un site francophone qui est une énorme base de données et d'informations sur la saga dans son entièreté, et ça m'a beaucoup aidé à repérer ces différences. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses que j'avais trouvées tout seul, mais par exemple, un petit décalage d'un pixel de l'interface par rapport à la version noir et blanc vers la droite, ça clairement j'aurais pas trouvé tout seul, donc c'est vraiment une source d'information inestimable pour tous les fans de la saga. Je vous invite d'ailleurs à aller y jeter un coup d'œil, je vous mettrai le lien en description sous la vidéo. Allez, je ferme la parenthèse, c'est parti pour le jeu des 7 différences. On commence avec la différence la plus évidente, à savoir la colorisation de l'aventure qui s'adaptait ainsi pleinement au nouveau support. Pour le moment, je vais pas plus loin sur cet aspect, mais vous allez voir un peu plus tard que ça a eu un gros impact sur le contenu. Pour rester sur le côté visuel, on notait quelques petites améliorations sur ce plan, comme l'apparition d'une sorte de petite bordure qui encadrait désormais certains éléments de décor comme les chemins ou les arbres, tandis que l'herbe gagna elle aussi en détail en paraissant, disons, plus touffue qu'avant. Dans un registre voisin, quelques bâtiments virent leur design être légèrement modifié à l'image de la maison de Pepe le Ramolo, qui était désormais ornée d'une cheminée sur son toit. Un ajout finalement un peu inutile, puisque l'intérieur de la maison ne fut quant à lui pas rectifié et ne comportait toujours aucun foyer. Le menu gagnait aussi en détail, déjà grâce à une colorisation des icônes représentant les différents objets en possession du joueur, mais aussi en nous permettant d'afficher quelques informations supplémentaires via une pression sur Select, comme les quarts de cœur récupérés. Un sous-menu qui était absent de la version noir et blanc. On continue en précisant que les donjons ont vu leur coffre être agencé différemment avec de fréquentes inversions entre leurs contenus quand on comparait les deux versions. On notera en outre que les donjons bénéficiaient d'astuces supplémentaires et que le fragment de pierre et les dalles de pierre associées à ces aides laissaient respectivement la place à des becs et statues de hibou. Allez, il est temps de s'attaquer à un point toujours délicat quand on parle de jeux vidéo et a fortiori chez Nintendo, à savoir la censure. Et oui, même un jeu Zelda est pas à l'abri et quelques passages ont volontairement été modifiés à l'occasion de cette réédition. A titre d'exemple, la quête des échanges d'objets demandait à un moment donné de récupérer le bikini d'une sirène pour le lui rendre et obtenir l'une de ses écailles en échange. Et ben, le bikini en question y devint un simple collier dans la version DX. Pour rester sur la sirène, en plongeant sous l'eau à proximité d'elle, la créature traitait initialement Link de petit coquin, une ligne de dialogue qui fut remplacée par « j'ai déjà cherché par là » au sein de la réédition. Enfin, en pénétrant dans une maison du village des animaux, il était possible de trouver un crocodile en train de peindre une toile avec une femelle hippopotame comme modèle. Si la pauvre gagnait en couleur à l'occasion du passage sur Game Boy Color, elle perdit en contrepartie sa poitrine dans la bataille. Mouais, un peu ridicule tout ça. Que ce soit Mademoiselle Hippopo ou la sirène, on n'était quand même pas dans la pornographie. Mais bon, on a malheureusement un peu pris l'habitude de voir ce genre d'idiotie dans le jeu vidéo. Enfin, on va terminer avec des différences un peu plus à l'avantage du jeu de 98, puisque deux éléments de contenu supplémentaires furent ajoutés. Le premier n'était autre que le photographe. Il était possible de trouver ce dernier dans son échoppe à proximité du village des mouettes. Une fois le premier contact pris, vous pouviez trouver une douzaine d'emplacements auxquels prendre la pose pour vous faire tirer le portrait par lui.
Plus rigolo encore, le jeu étant compatible avec le Game Boy Printer, vous étiez même libre d'imprimer vos clichés en utilisant l'accessoire. Un bonus plutôt savoureux pour l'époque, d'autant que les photos en question apportaient une bonne dose d'humour à l'ensemble. Mais le plus gros ajout de contenu n'était autre qu'un tout nouveau donjon inédit. En vous rendant à la bibliothèque du village des mouettes, vous pouviez remarquer un livre placé sur le haut d'une étagère qui n'était pas présent dans le jeu d'origine. En utilisant les bottes de Pégase pour le faire tomber, il vous était possible de découvrir son contenu qui vous aiguillait vers le temple des couleurs. Un donjon qui, comme son nom l'indiquait, exploitait pleinement la palette de couleurs de la Game Boy Color puisque la quasi-intégralité de ses énigmes se basait sur ses couleurs justement, et ce jusqu'au boss de fin. Une fois le donjon terminé, le joueur avait le choix entre deux tenues à récupérer, une rouge boostant sa puissance d'attaque ou une bleue faisant de même pour sa résistance. Un sacré ajout donc qui venait améliorer un peu plus encore la durée de vie de l'ensemble. A noter enfin que la cartouche était compatible avec le modèle originel de Game Boy, mais que l'accès à ce nouveau donjon était alors bloqué puisqu'il aurait été impossible de le terminer sans pouvoir bénéficier des couleurs de la Game Boy Color. Et je termine juste en précisant qu'une version Classic Series, une réédition donc, vit le jour peu après la mouture noir et blanc, reprenant justement cette dernière à l'identique, si ce n'est que la censure y avait déjà été appliquée. Ah là là, il faut croire que c'était urgent pour préserver nos pauvres petites têtes blondes de la dépravation provoquée par Link's Awakening dans sa première déclinaison. Mais alors, la question qui se pose, c'est est-ce que 5 ans après, l'enthousiasme de la presse était toujours identique envers cette nouvelle version qui finalement apportait des choses en plus, mais était toujours un petit peu le même jeu? Vous la sentez venir? Eh ben oui, hein, je vous ai concocté une nouvelle revue de presse pour la version DX. Bon, là, pour le coup, on va conserver les 3 mêmes magazines pour bien voir l'évolution des appréciations en 5 années. On commence avec Console Plus, qui lui offrait un test sur 3 pages dans son numéro 85 de février 99. Eh ben, croyez-le ou non, mais avec une évaluation de 98%, cette version DX était encore mieux notée que le jeu de base qui, rappelons-le, avait pris un 95% à l'époque. J.A. soulignait que le passage à la couleur apportait un réel plus, un discours semblable à celui de Nico qui y voyait une véritable plus-value en termes de charme et de magie. Bien entendu, l'article s'attardait principalement sur les nouveautés de cette version, à commencer par le photographe ou le donjon supplémentaire. Une logique reprise par Joypad dans son article de 2 pages au sein de son numéro 84 de mars 99, qui nous informait lui aussi sur les nouveautés apportées par cette aventure revisitée. Pas non plus de lassitude chez les testeurs qui lui offrirent un joli 9 sur 10. Candy y allait de son appréciation en nous disant que si le joueur ne devait posséder qu'un jeu, ce serait celui-ci, tandis que Trazom adoubait la couleur qui offrait au jeu une seconde jeunesse, rendant son achat aussi pertinent pour ceux qui avaient terminé l'aventure en 93 que pour les autres. Enfin, retour sur Player One qui fut certainement le plus négatif entre gros guillemets sur cette réédition dans son numéro 95 de mars 99. Déjà parce que leur énorme dossier de 6 pages laissait ici la place à un simple test sur une page, et ensuite parce que la note passait de 98 à 90%. Mais bon, les guillemets autour de négatif prennent tout leur sens, puisque Wonder, qui s'occupait de l'article, soulignait juste que les musiques avaient un peu mal vieilli, tout en insistant sur la qualité de Link's Awakening, que ce soit dans sa version normale ou DX, soulignant même qu'après avoir terminé Ocarina of Time, il estimait que cet opus Game Boy était le plus riche et le plus intéressant de toute la série. Excusez du peu. Bref, globalement, on peut pas dire que la presse était blasé face à cette simple réédition avec des notes largement comparables en 99 à ce qu'il avait pris quelques années plus tôt dans les colonnes des différents magazines. De fait, il était finalement plutôt logique que ce soit cette version améliorée qui soit choisie par Nintendo dans le début des années 2010 pour intégrer la virtuelle console de la 3DS. La vidéo aurait pu s'arrêter là si Nintendo avait pas annoncé en juin 2021 la sortie d'un second Game & Watch nouvelle génération. Alors rappelez-vous, hein, on avait déjà eu en 2020 un Game & Watch Super Mario Bros qui était sorti pour fêter les 25 ans de la sortie du premier épisode. C'était un bel objet pour la collection, mais bon, faut reconnaître qu'au niveau contenu, c'était un peu un gros attrape-couillon à 50 balles le machin, hein. Et j'ai le droit de le dire parce que... voilà, je suis un couillon. Bref, toujours est-il que Nintendo a réitéré l'expérience avec la sortie en novembre 2021 d'un nouveau Game & Watch, cette fois-ci Zelda, pour fêter les 35 ans de la sortie du premier épisode. Alors, vous vous doutez bien que si je vous en parle dans cette vidéo, c'est pas innocent les amis. Eh oui, ce nouveau Game & Watch s'avérait être un bien meilleur investissement que son prédécesseur, puisqu'il embarquait cette fois-ci 3 jeux, à savoir les deux premiers Zelda sortis sur NES et Link's Awakening dans sa version d'origine, pas la DX donc, en profitant au passage de sa traduction française. Enfin, 3 jeux, c'est pas tout à fait exact, puisque vous pouviez choisir en prime entre différentes versions pour chacun d'entre eux en fonction des zones géographiques où ils étaient sortis. Un très bon point
juin pour juger des différences parfois assez marquées entre les versions japonaises et occidentales, notamment pour Zelda 2. A noter que si vous pouviez régler le volume et la luminosité dans les différents jeux, Link's Awakening offrait une option supplémentaire pour conserver le ratio d'origine pour l'écran ou pour l'étirer légèrement afin qu'il colle aux dimensions de la machine. En bonus, vous aviez droit à une version spéciale de Vermin, Game & Watch de 1980, où le personnage était remplacé par Link. Bon, pour faire simple, au niveau gameplay, on était sur du tap-top avec uniquement des déplacements latéraux à gérer pour placer les bras du personnage au-dessus de la taupe à venir et une vitesse augmentant parallèlement au score. On souligne en prime deux fonctionnalités supplémentaires. La première était l'inévitable horloge et nous montrait, en plus de l'heure, notre ami Link du premier Zelda en train de se battre contre des adversaires. La seconde consistait en un compte à rebours paramétrable suivant le même principe, mais cette fois-ci avec la vue latérale de Zelda 2. La subtilité de ces deux fonctionnalités, c'est qu'on pouvait à tout moment prendre les commandes du personnage pour jouer. Plutôt rigolo, surtout pour le timer qui conservait en mémoire le nombre d'ennemis abattus et pouvait presque être considéré comme un mode survie en vous permettant même de choisir le niveau. Plus intéressant encore, vous aviez aussi droit à un mode time attack caché en validant les réglages du début avec un appui long sur A. L'objectif devenait alors de dégommer une vingtaine d'adversaires en un temps le plus réduit possible. La possibilité de désactiver la mise en veille automatique permettait de réellement utiliser l'appareil comme une pendule, contrairement au précédent qui se coupait au bout de quelques minutes. En revanche, toujours pas de fonction alarme. Hormis tout ça, côté fonctionnalité, pas d'éléments qu'on trouve généralement sur les consoles mini pour aider le joueur comme le rewind, mais la possibilité de passer à la volée d'un jeu à l'autre en récupérant à chaque fois la progression. Enfin, on termine sur l'objet en lui-même, toujours de très bonne facture, qui sentait bon le Game & Watch des années 80. Seule petite fioriture, un voyant en forme de Triforce allumé à l'arrière de la console. Le packaging comportait quant à lui un support cartonné faisant office de présentoir, pratique pour utiliser la machine comme une horloge. Ah oui, alors par contre, toujours pas de béquille métallique derrière, faut quand même pas déconner. Hein. Du coup, bah, fallait vous contenter du support en carton. C'était mieux que rien, mais bon, quand même un peu de chipos. Voilà, voilà. Un objet quand même un peu plus honnête que le Game & Watch Super Mario Bros. En termes de contenu. 45€ pour 3 jeux mythiques, ça restait quand même un poil onéreux compte tenu de l'âge des jeux en question et du fait qu'ils avaient déjà largement été rentabilisés par Nintendo. Mais finalement, si vous ajoutiez les quelques petits bonus et surtout la qualité de finition de l'objet, sans crier à la bonne affaire absolue, on était dans une tarification honnête pour un truc qui serait parfait pour agrémenter une étagère Nintendo. Et surtout, qui vous permettrait de jouer à 3 jeux Zelda n'importe où et dans de très bonnes conditions. Eh oui, ça aussi c'est important. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, alors il y en avait des choses à dire, hein, mine de rien. Et encore, je vous ai pas parlé de la version Switch, et je vous ai pas non plus parlé du manga. Bon allez, je vous en parle vite fait. Publié sur 2 tomes en 94 par Enix seulement au Japon, il retraçait assez fidèlement les événements du jeu. Les ennemis comme les boss ou la manière de les battre faisaient montre d'une grande fidélité, à l'image, pour prendre un exemple simple, du chef des Moblins que Link battait en esquivant sa charge pour laisser s'éclater la tronche dans le mur. Le manga retirait cependant la quasi-intégralité de la partie énigme des donjons qui était du coup très raccourcie et changeait quelques détails plus ou moins importants. Pour prendre quelques exemples, l'ocarina n'était pas récupérée dans un coffre comme dans le jeu, mais donnée par la maîtresse de Toutou quand Link lui ramenait son chien. De même, le voyage avec Marine vers le village des animaux n'était pas basé sur une nécessité, en l'occurrence dégager le passage bloqué par un morse, mais une simple demande de la jeune fille. On notait aussi l'ajout de Felicia, une fée octroyée à Link par le hibou qui suivait notre héros pendant toute son aventure, avec également une meilleure exploitation de personnages existants comme le fantôme. Un passage entier nous montrait en outre Link tentant de quitter l'île sur un radeau en compagnie de Marine, après avoir appris son destin et la finalité de sa mission qu'il essayait donc de fuir. D'ailleurs, les monstres, qui allaient même jusqu'à attaquer le village des animaux, se montraient beaucoup plus bavards et étaient clairement conscients du destin du héros. Toutes ces modifications avaient en général pour but d'améliorer le récit en fluidifiant sa narration, un objectif plutôt bien rempli. Puisqu'on vient d'évoquer la parole, il aurait été difficile de faire un manga dans lequel Link ne prononcerait pas un mot comme dans le jeu. Donc oui, Link était doté du don de la parole. On est d'accord que c'est pas forcément toujours un gage de qualité.
Mais là, en l'occurrence, ça permettait de construire une relation beaucoup plus forte entre Link et Marine. L'humour s'en trouvait lui aussi amélioré avec l'ajout en prime de quelques petits passages supplémentaires, comme un running gag avec un toutou vorace qui essayait de bouffer Link lors de leur première rencontre, et récidivé avec Felicia un peu plus tard. Je termine juste en vous précisant que niveau dessin, même si je suis pas un gros expert manga, ça faisait plutôt bien le job, avec un grand dynamisme dans les séquences d'action et une certaine fidélité envers le jeu dans sa manière de combattre. Un manga globalement plaisant à découvrir donc, qui aurait gagné à s'exporter en dehors de l'archipel nippon. Bon voilà, fin de la parenthèse, mais rendez-vous compte de l'impact énorme qu'a eu Link's Awakening et de l'importance qu'il a pris chez Nintendo, au point de sortir le jeu, de sortir un remaster, un remake, un manga. Bref, il y a peu de jeux qui ont eu droit à un tel traitement au fil des années, et j'ai envie de croire tout simplement que c'est parce qu'il le méritait. En tout cas, c'est moi personnellement ce que je pense. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve en tout cas tout de suite en commentaire pour en discuter, et j'espère surtout qu'au travers de cette vidéo, j'aurai pu rendre à Link's Awakening un hommage à la hauteur de l'estime que j'ai pour ce jeu-là, parce que croyez-moi, j'en ai énormément. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !